Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va superbement bien. Ça va, Hub Serviteur Héritor. Voilà, j'ai envie de prononcer un peu sur cette histoire. 40 500 000. Mais avant, j'aimerais juste parler un peu aux fans de Bordeaux. Est-ce que vous allez bien? Vous avez le moral comme moi? Parce que moi, j'ai superbement le moral. Hein? Voilà. Il y a un truc que vous devez comprendre. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour les fans de Bordeaux. Il y a beaucoup. Voilà. Qui se font passer pour les fans de Bordeaux. Oh, dans le fond, c'est pas ça. Et je pense que c'est moi ou ces jours à venir là. Vous allez être beaucoup surpris et vous allez entendre beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je suis serein. Moi, ma famille, mes amis, mon entourage, toutes les personnes qui sont dans ma vie savent que je respire des Bordeaux, que j'adore des Bordeaux. Mais malheureusement pour moi, avec vous, c'est que j'ai pas le même esprit comme vous. On n'a pas la même vision. C'est un peu ça le fossé. Sinon, moi, je vous adore tous, hein. Voilà, moi je suis pour la musique ivoirienne. Mais j'ai pas mal fait en fait. Mais vous pensez que j'ai mal fait de dire que je suis fan des Bordeaux? C'est ça un peu, on va dire, le bémol quoi. C'est ça un peu le petit problème. Sinon, il n'y a vraiment pas de problème. Donc je viens dans cette vidéo pour vous demander, est-ce que vous avez le moral? Vous allez bien? J'espère que vous allez superbement bien comme moi. Moi je suis calme et tranquille. Certes, on dira que des Bordeaux est mal entouré, certes. Mais je pense que c'est pas ça le problème. Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est que on fait tout pour salir son nom. On fait tout pour le casser. Mais ça n'arrivera pas. Parce que ce qu'il est là, c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Le dévoilé qui s'est fait aujourd'hui, là, c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui a agréé ça. Voilà, il n'est pas les voyants marabouts, il n'est pas les voyants féticheurs, il n'est pas les voyants charlatans. C'est pour dire que tant que Dieu n'a pas accompli ce qui doit arriver dans sa vie, il va être toujours persécuté, mais il en sortira toujours vainqueur. Donc soyez serein. Soyez sereinement serein comme moi. Voilà. Malheureusement, je vous dis, hein, c'est vrai que je cause rarement avec mon artiste. Je cause surtout avec sa page achetée Force à Deborda. Mon artiste ne souffre pas, sinon je pense que tout ce qui tourne autour de lui là. Moi je ne suis pas un vrai riche, mais c'est un petit problème. C'est rien même. C'est connerie. Voilà. Mais c'est rien, on va gérer ça. Voilà. C'est un petit problème. Voilà. Ok. On va commencer la vidéo maintenant. Tout d'abord, sachez que j'ai fait le droit. Je n'ai pas une licence en droit. Je n'ai pas une maîtrise en droit. Je n'ai pas le doctorat en droit. On ne parlera même pas du droit. Je vais juste vous expliquer certaines choses. J'espère que les plus intelligents comprendront. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a des idiots là qui passent le temps à dire que j'ai fait le droit, j'ai tant en droit. C'est réfléchir votre part. Voilà, vous voyez, celui qui est cultivé, celui qui connaît la chose du droit, ne fait pas la grande gueule. Voilà, ça vient à lui. Voilà, donc arrêtez de vous muscler sous mes vidéos. Voilà, ça ne sert à rien. Moi, je vous ignore désormais. Cependant, il y a une rumeur qui court comme quoi il y a des huissiers et le promoteur LTA qui sont en train de acculer mon artiste comme quoi il est droit à 40 500 000. Les amis, dans cette histoire-là, il y a eu beaucoup de promoteurs qui ont parlé. Et comme la majorité des personnes veulent voir l'artiste de Bordeaux du Koufa broyer du noir, chose qui n'arrivera pas, on lui a juste demandé de rester dans son silence. Voilà, mais il a mal compris parce que j'aimerais bien que souvent il fait des posts, il nous entretient de temps en temps à autre. Mais bon, tout ça, ça rentre dans sa stratégie, même si on n'est pas trop pour. Donc ne vous inquiétez pas, les fans de Bordeaux, chers moyens, soyez sereins, laissez les gens s'embrouiller, voilà. Vous connaissez de Bordeaux, ils vont parler, qu'ils vont faire sortir une nouvelle, eux tous, ils vont danser, ils vont commencer à sauter de partout. Donc ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on dit que de Bordeaux doit 40 500 000 à LTA, le promoteur. Comme quoi, préjudice au concert pour les paix du sponsor et consort, n'importe quoi. Arrêtez de vous foutre des gens, hein. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous pensez que l'artiste n'a pas d'avocat? Vous pensez que l'artiste n'a pas d'avocat? C'est vous qui êtes trop dans votre droit pour venir mettre ce délit-là sur lui. Dans votre contrat, là, il y a une partie qui stipule aussi, hein, contre vous. Je ne sais pas quand vous étiez en train de rédiger le contrat, si vous n'avez pas bien lu, parce qu'on l'a lu, hein, il était très bien de le publier avant. Mais les ignorants, on va dire à la limite, les idiots, ceux qui veulent voir des bordeaux tomber, sont en train de vouloir envenimer la chose. C'est même pas problème. Mais là, on regarde. Il y a eu un problème, vous avez éjecté l'artiste contre son gré. Il a juste manifesté un mécontentement comme dans tout contrat. Ah, cette partie-là ne m'arrange pas, arrange ça d'abord, sinon moi je ne fais pas. Ses propos étaient conditionnés, ses propos n'étaient pas affirmatifs. Si
Il n'y a pas ça, je ne fais pas. Il n'a pas dit je ne fais pas. Il est rentré en terre à terre. Parce que si on est dans le domaine du droit, il y a des gens qui se donnent du jeu, ils ne vont rien comprendre. Mais je vais vous expliquer ça doucement, doucement, vous allez comprendre. 40 500 000. Moi, je dirais que si la justice est dans son silence, ça va qu'il ne se reproche rien. Parce qu'il vous dit une vérité, cher promoteur de LTA. Quand on pense avoir raison, parce que la loi même, le droit même, il est ambigu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation où tu penses que tu as trop raison. Tu vas te faire trop dédommager. Et puis où tu te rends compte, c'est toi qui es en train de déverser ou verser beaucoup de millions à celui que tu voulais inculper. Allons-y doucement. Voilà, votre histoire des huissiers, votre histoire des 40 500. Calmez-vous. De Bordeaux, elle s'est mal entourée, mais il n'est pas dupe. Il est allé à l'école. Voilà, il a lu votre contrat là, avant de se lancer dedans. Même ce jeudi, il n'a pas eu la chance d'y participer. À votre projet, je veux dire. Donc, ne vous embrouillez pas, cher Moyen. Laissez les gens parler. Moi, je veux voir où ça, juste où ça peut aller. Parce que ça n'ira nulle part, en fait. C'est l'artiste même qui n'a pas été malin de poursuivre le promoteur lorsque le promoteur l'a éjecté du truc du contrat. Vous avez tellement biaisé la procédure, vous risquez de compromettre même votre plainte auprès du parquet. Mais je sais que tout ça, c'est du pipeau. C'est juste des gens qui sont en train de vouloir saler l'image de mon artiste. Avant de prendre toute décision, avant de vouloir faire quelque chose à quelqu'un, on réfléchit pas 10 fois d'abord. Voilà, pour voir est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a mesuré tout. Parce que ici, là, il y a son grand frère. Ici, il y a son grand frère. Et puis parmi les ici, là, il y a ici et puis il y a ici. Arrêtez de venir distraire les gens. Dieu vous a fait la grâce, Dieu vous a fait la grâce d'avoir une petite activité qui marche très bien. Vous comptez souvent des millions, mais vous n'êtes pas le centre du monde. Hein. Il y a des personnes qui peuvent vous remuer un peu. Voilà. Et sachez que des bordeaux, il faut faire beaucoup de personnes derrière lui. Beaucoup, beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes que vous n'imaginez pas. C'est les choses qui ne vont pas chauffer là. N'essayez pas d'allumer. Voilà, après, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai essayé de lire le contrat. Voilà, c'est pourquoi je me prononce. 40 500 000. Vous pensez que c'est comme ça, on s'assoit et puis on décide que X nous doit 40 500 000. Je vous le dis, j'espère que cette affaire va se régler à l'amiable ou bien même elle n'existe pas. Parce que si elle existe, que l'artiste se fait entourer de personnes très compétentes, vous aurez beaucoup de problèmes. Voilà. De la manière même que vous l'avez éjecté du conseil là, vous savez très bien que vous avez biaisé la procédure, ça ne se fait pas jusqu'à publier le contrat. Ou vous mentionnez lui seul. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Les détails là, je vous en épargne, mais il ne faut pas y rentrer dans ça, les amis. Voilà. Débordeau n'est pas dupe, il n'est pas fou, il n'est pas idiot comme vous le croyez. Voilà. Certes, il n'a pas envie de se faire entourer de personnes compétentes, mais il n'est pas idiot. Il sait très bien ce qu'il fait. Si Débordeau devait aller en prison depuis là, il y a longtemps d'être en prison. Si la carrière de Débordeau devait être gâchée depuis là, il y a longtemps d'être gâchée. Donc, là, c'est calmé. Et puis on n'a qu'à parler. Parce que moi, je suis prêt à rentrer en contact avec les membres de ma famille pour défendre ce problème-là. Voilà, parce que vous en faites un peu trop. Parce que vous, de la manière que vous pensez que vous êtes puissant, que vous comptez sur des gens. C'est pour ça que nous, on connaît des gens qui sont très puissants. Très, très puissants. Donc, en cas, c'est calmé, en cas, doser. 40 500 facilement comme ça. Si vous ne faites pas attention, c'est vous qui allez dédommager des bordeaux Likoufa. C'est moi qui vous le dis. Si vous ne faites pas attention, vous serez dans l'obligation de dédommager l'artiste. Voilà. L'avance qu'il a reçue là, arrêtez-vous dessus. Parce que c'est le contrat même qui le dit. C'est pas lui qui a essayé de se retirer du contrat. Hein? C'est vous qui l'avez éjecté du contrat. Donc c'est bien de s'entourer de scier, d'hommes du droit, d'avocats. Mais parmi les avocats là, il y a avocats. En cas de doucement. De la même manière que vous connaissez des personnes influentes de ce pouvoir ou bien de ce pays là. C'est comme ça, c'était Bordeaux Likoufa. Même moi-même, ma petite personne que je suis, on peut rentrer ou on doit rentrer pour que cette affaire-là n'aille pas loin. Et puis ça, c'est retourné contre vous. Vous voyez, depuis vous en parlez, vous en parlez, vous en parlez. Je suis là et regarde. Il y a longtemps qu'on parle de cette histoire-là. Hein. Mais j'ignore parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, parce que si l'entrée n'est pas embrouillée, ce n'est pas un problème. C'est les allers-retours à la justice, c'est tout. Ça va aller où? Nulle part. Il y a des personnes qui ont fait pire que ça ici. Ce n'est pas arrivé quelque part. Ce n'est pas pour une histoire de conseil. Vous avez fait une avance qui est dans le droit de l'artiste. Et puis vous l'avez éjecté. Vous allez pas ça pour faire un tollé. Faut pas, on va s'en prier. On n'a qu'à juste se respecter. Et puis on n'a qu'à marcher tout doucement. Voilà. Vous êtes foutu de l'artiste. C'est passé, c'est passé. Passons à autre chose. Sinon, à la longue même, ça va pas vous arranger. C'est Stéphane Aoui qui le dit.
Je ne suis pas enfant des riches, hein. Ça, il faut que je le souligne. Je ne suis pas enfant des riches. Mais je dis juste ce que je sais. Et puis je dis juste ce que je peux. 40 millions 500. Parce que vous allez énerver l'artiste, le mec va porter plainte contre vous aussi. Et puis ce sera plainte dans plainte. Le plus fort va gagner. Et comme je sais que Tebondo Likoufa est très fort, même si vous le négligez, ça va pas vous arranger. C'est pas sa première fois. C'est vrai, on dira qu'il est toujours dans les histoires de justice, d'argent, d'accord? Mais s'il bavarde beaucoup, c'est parce qu'il est dans son droit. C'est parce qu'il réfléchit pas 10 fois avant de poser un acte. Quand ça a commencé ici, moi, Stéphane Henry, je l'ai blâmé. Je lui ai dit, je suis pas d'accord avec ce que tu fais là. Faut nous parler clairement. Là, on s'en fait, nous, ton parlable. Oh, il a eu certaines attitudes. C'est pour ça que vous allez éjecter du contrat? C'était tout un schéma planifié. Vous avez planifié votre jeu, vous l'avez jeté et vous allez venir comme quoi, il vous doit 40 millions 500. C'est 40 millions 500 que vous voulez. C'est vrai, on prend des caméras, on se file. On ne sait pas qui est qui dans ce pays-là. Ne provoquez pas les gens. Vous, c'est 40 millions 500 seulement que vous voulez. Il a l'homme qui peut aller ça de sa bouche, il va vous donner ça un jour. Un coup en même temps. Mais si lui veut lever son discours là, c'est 100 millions, mais 150 millions, vous allez le remercier. Si vous croyez qu'on je mens là, on est dedans. Là, ça va s'ouvrir un peu seulement, c'est tout ce que je veux. Arrêtez de distraire les gens, hein. Voilà, vous pouvez blaguer les ignorants là, ceux qui bavardent pour bavarder là. Mais c'est pas nous tous. Voilà. Donc, chers fans de Tebondo Likoufa, restez sereins. Actuellement, Tebondo Likoufa est préparé son album. Il a été préparé beaucoup de surprises pour vous. Laissez les gens parler, puis on voit où ça va aller. Aïe, on rentre où on peut rentrer, et puis on verra qui est qui. Abidjan ici. Ou bien c'est l'un qui fait tout. Tu peux avoir l'homme, il peut avoir une relation que toi, hein. Voilà. Ciao, ciao les amis, c'était la vidéo du jour. Et puis on se prend à 16h.